Bonjour tout le monde, nous sommes les Okara Knights et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Splatoon 3. Bonne chance. Numéro 3. Contente de te voir en un seul morceau. Ah non, enfin, le calamar c'est toujours un... Pas que j'en doutais. Un truc séché. Mes compliments. On n'en a pas perdu une miette. Tout en éclat, en classe incroyable, en bravoure. Qui aurait dit que le seul mioche était si doué? Ah, t'étais pas mal non plus au fait. Ouais, numéro 3 a sauvé la planète, excusez du peu. Et on peut bien être les seuls au courant. La mission du héros, c'est un voyage, ou plutôt un périple. Enfin, une sorte d'excursion, où on va d'un endroit à un autre. Joli. Merci pour cette intervention, papy. Et tes exploits ont beaucoup plu à l'amiral aussi. Je l'ai rarement vu opiner du chef de façon aussi spontanée. Ça, c'est bien vrai. Voilà, c'est tout pour le moment. À plus tard, calamar. Mais où est cette mystérieuse bouilloire secrète? Quoi ça? Sûrement pour... Activer le cadrone. Ah ça c'est le cardrone, le drone conçu et assemblé par cartouche. Oh non! Son concepteur est formel, ce joujou n'a pas son pareil pour trouver les objets cachés. Bon, je résume, hein, mais le discours original était un poil plus long. Ah, c'est pour aider à trouver les objets qu'on n'a pas trouvés, j'imagine. Le plus c'est qu'il rapporte tout dans le hall, et toi, t'as pu consulter le terminal du hall pour récupérer le butin. Fait que t'as récupéré un cadran de retour de sa vie. Oh, j'imagine que du coup... Ça coûte cher. Bon attends, vas-y, je vais l'activer juste histoire de voir. Qu'est-ce qu'ils vont me dire finalement? J'avoue, si ça se trouve, il va ramener des objets normaux. Mais c'est pas vrai, pourquoi c'est surnom? Parce que t'as pas envie d'utiliser 999 E d'un coup. Ça devrait être disponible demain. Ah, en fait c'est une expédition et il va peut-être ramener des fragments, qui sait. Ah, d'accord. Moi je dis des fragments, mais j'en sais rien. Et puis je dis des bêtises. Bon, alors apparemment il y aurait une bouilloire secrète. Elle est là, elle est au droit devant. Alors qui est le boss final? En fait c'est pour refaire le combat final. Au-delà d'Alterna, atteindre l'arrivée pour accéder aux documents de l'histoire. De quelqu'un. Ça coûte 333. Bon alors qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas genre le niveau final par contre. Non, je pense pas parce que ils disent que c'est pour obtenir des documents sur l'histoire. Toutes les questions qu'on se pose. Les réponses sont ici. Attends l'arrivée. C'est même pas un combat de boss avec des Octaling là. Ah, ça a pas sauté. Ouais, ça fait le malin. Qui fait le malin tombe en grave. Bon, alors, on y va sérieusement cette fois-ci. Eh, hey, bon, toi, pas tu gentil. Te. Voilà, hein. Calme un moment. Ouh! Feeling good! J'ai peur. T'inquiète, j'ai le pouvoir de voler grâce à. Grâce à mes. Vous êtes beaucoup trop agressif. Ah, elle va voler. Et boum. Donc vous voulez vous battre, eh bien, on va se... Ah. Ah. Ça y est, il faut se servir de la vrille. Enfin, c'est la déferlante. Les tartineuses. Non, elle est pas les tartineuses. Oh, il m'a bien eu là. Alors, mais ça c'est pareil, ce niveau il me dit quelque chose. Ah. Ok. Tranquille. Oh yeah. Allez hop. Mince, désolé. Oh non, vous attaquez petit poulet. Oh bien petit poulet. Ça va tourner. Ouais. Comme je savais pas quand est-ce que ça allait tourner, j'ai pas osé sauter. Par contre... Oh bah du coup... Ah si, il a eu... Enfin, une vrille sur le mur. Je crois qu'il suffit juste de sauter, non?
Enfin, il y a un moyen de sauter du mur, je l'avais déjà fait. Mais je crois pas qu'il faut maintenir B. Enfin, voilà, comme ça. Mais ça sert à rien. Je crois qu'il faut peut-être faire une vrille, mais aller dans une direction opposée de là-haut. Ouais, comme ça. Mmh. Ok, voilà. D'accord, c'est comme ça. Allez. En haut. Ah oui, ok, en haut. Très bien, ok, tu d'accord. Sais pas un peu de frimer, là. Mais non, on s'entraîne, on s'entraîne. Attention, ça va partir. On s'arrête là. On s'arrête là. Oh, dommage. C'est bon. Et là, on va devoir faire la même chose. Ouais, c'est quand même un niveau assez long. Hein. Mmh. Faut les mériter, ces documents, pour comprendre l'histoire de je ne sais qui. Cette nage. Et Monsieur Wu, probablement. Oui, c'est ce que je me dis. Je me demandais si ça allait s'arrêter. Bah, ça ne s'est pas arrêté. Ah mince, c'était les... petit truc. On va pas prendre de risques. Je pense que c'est fini, non? Et un charmant sourire, tu penses? Non, c'est fini. Oh. Ah non, effectivement. Tu sais, c'est le niveau à la Super Mario Galaxy là qui dure un quart d'heure, tout ça. Et après, il faudra le faire avec un point de vie. Ah oui, je vois. Pas du tout fini. Bon, je vais pas prendre de risque, comme j'ai dit. Parce que le niveau, il est quand même relativement long. Ah non, bah non, j'allais dire, t'es bientôt arrivé à un point de sauvegarde, mais même pas. Non, il n'y a pas de point de sauvegarde. Ah non, mais ça, c'est... Bon, alors là, comment je fais? En tout cas, le niveau, il me paraît vraiment, vraiment familier. J'avance pas, donc ça craint. Ouf. Je suis dans l'encre. Ah là là. Ah, ça fait le tour. Ah oui, effectivement. Tiens, c'est rigolo. Ça veut dire que cette eau n'a pas effacé l'encre. c'est de la mauvaise eau. Oh. On va affronter un boss, peut-être? Non, tiens, fais encore un niveau. Et si je meurs, je reviens encore au début, là, ou... Je pense que tu reviens en point de contrôle de ce niveau. Alors, tu apprécies la balade, j'espère. Bien sûr. Ouh, par contre, ça saute, là. Regarde-moi ça! J'espère qu'il n'y aura pas un ballon noir qui va pop à un moment en mode... Tiens, meurs! Non, je pense pas. Bah, tu sais pas, hein. Là, ils ont l'air d'être partis pour faire de la fourberie, donc... C'est vrai, hein. C'est rigolo et à la fois on voit rien. Claire. Oh là 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 là. Quel enfer. Non. Là contrôle du chaos. Est-ce que ce serait la dernière ligne droite? Ok, on a redépassé l'endroit en fait, je m'étais même pas rendu compte. Si. Ah non,
c'est clair. Control. Ouf. Pfiou. Ce n'était pas de la tarte. Bon, on peut affronter des mobs maintenant. Allez, c'était les mini-jeux, maintenant le combat. S'il vous plaît, là. Mais non, on veut pas faire de la plateforme, on veut faire du combat. Il y a en fait... Il y a jamais de combat. Il y a 7 niveaux. Regarde, là, il y a un octarien qui aimerait se battre contre toi. Ouais, mais il s'est mis exprès super long pour pas qu'on l'attaque. C'est vrai, tu l'atteignais pas, tu penses? Moi aussi. Ah non, il était déjà au max, ok. Mince, je crois qu'il fallait activer l'autre aussi. Il faut utiliser des petits poulets sur lui. Ah oui, c'est bon. C'est pour dire, tu vois, il y a petit poulet quand même, il aide. Mais oui, il est trop cool, petit poulet. Là, faut jeter petit poulet. Ok. Petit poulet a pas voulu être jeté. Oh, faut descendre, ça va être juste. Pas intérêt à avoir un trou ici. Non, c'est non, bon. Non, faut vite remonter. Bon, vite remonter, ça va, là. Oh non, une tourelle. Oh, ça a l'air jouable. Attention. Ouais, ça serait bien. Oh non. Ouais. C'est trop bien, n'empêche, ce travail d'équipe avec petit poulet. Embête mon petit poulet là. Mais ça a pas sauté. Bon, cette fois-ci, je peux sauter. Oui, yes. Merci. Bravo. Oh, va falloir être... faire un saut. Ah ouais. Le fameux. Et puis... Ah, c'est bien pour se déplacer sur le côté. C'est rigolo en tout cas. Ah. Quick. Et là, on va te faire un super beau chemin. Oh. C'est un escalier. Ok. Et là, maintenant, c'est l'entraînement des plateformes qui tombent. Ah, j'avoue, t'as même pas de choc chromatique encore. Ouh. D'accord. Ah, ah, c'est du vide. Alors, j'ai besoin de pouvoir sauter en fait, donc me détruisez pas, mon a. Non, tu peux pas. Ah, ils ont mis un checkpoint dans celui-là. Oui. Allez, 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 on monte. Mais attends, jump. Il y avait une plateforme en bas en fait. Oui. Ok. Je n'aurais pas cru. Oh. Oh, attention de ne pas perdre de temps. Ouais, non là. Après, n'oublie pas que tu peux faire des déferlantes sur les murs. Je me fais pas confiance. Mm-hmm. Je me faisais pas confiance là sur le coup. Ah, le petit chemin. Tu vas devoir reprendre un avion. Ah mince. Ah non, attends. Ah non, en fait, ils viennent embêter tes plateformes, je crois. Ah non, tu vas vraiment devoir reprendre un avion, mais juste, il faut pas qu'il se fasse cogner par le mur que tu as créé tout à l'heure, je vois. Ah, ok. Ouais, j'espère que ça... Ah non, c'est bon, t'as mis le saumon. Ouh, bien joué. Très bien. Ça s'épingle de moitié de manière trop bizarre. Ah, il fallait pas le faire, très bien. Oui, mais il faut quand même que tu montes dessus pour pouvoir aller. Ça va être chaud. Ah non, tu non, peux. Je peux y aller hein, comme ah, ça. Okay, okay. Ah, il passe. Mais bon. Le suivant sera le bon. Ah, mais ils attendent. Mmh. Ah oui, d'accord, il va falloir... C'est lui, à gauche, à gauche, à gauche.
Ouf. Oh là là, là. Et là, tu te trolls, tu ouvres. Ça devient un peu fou. À moins qu'il faut vraiment le faire, parce que ça va faire un chemin pour tout à l'heure. Oh non, ok. Non, mais c'était pour empêcher les boulets d'aller attaquer le machin. Ouf. T'inquiète, t'inquiète. Ok, alors là... Faut que j'utilise ça. Ouais, mais est-ce que ça va aller? Ah ouais, c'est là maintenant. Ouh! Ah, c'est bon? C'est pas fini! Ah non, mais on veut le boss, là! Le boss! Les Octaling à affronter! Il faut défendre un beau gros bouclier et tout, là! S'il vous plaît! Ah, voilà. Là, on est dans notre élément. On peut choisir notre arme aussi, genre ça serait trop bien. Oh, en plus, elles ont les algues et tout là pour dire qu'elles sont plus fortes. Terrible erreur. Oh, ça veut jeter des bombes curling et tout. Terrible erreur, mes petites. Ah, oh, et lui, là, il est pas sauvage. Elle est plus forte. Ah, elle a dit sa position. Alors? Elle est pas derrière. Ah, si, ok, il y en a encore une. Ok. Oui. Go, Octaling au rouleau. Allez, venez vous battre, là! On les a tous eus? Non! Je crois qu'on les a tous eus. Non, 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 c'est pas fini, là. Moi, on n'a pas eu assez, là. Voilà. Ah, tu peux choisir ton spécial. Je ne sais pas viser, hein, par contre. Autant que moi. Je prends de leur mieux. En même temps, elles ont des grosses lunettes, c'est difficile. C'est vrai, hein. Alors, on se bat à la loyale. Elles ont pas de spéciaux, alors nous non plus. Mmh. Par contre, le blaster, faut que je le rigole. Oui. C'est le pire. Avec le rouleau, là, enfin... Ah, double en train. Ah. Il y a quelqu'un qui s'emballe. Ah non, c'est des pinceaux. L'arme la plus forte du jeu. Bon, c'est le dernier ça, non? Oh là, attention. Eh oui. Elles arrivent. On fait pas de spawn kill, ça se sait pas, tu vois. Ah, finalement, vous utilisez des attaques spéciales là. Bon, bah du coup, on va devoir y aller. Hein. Je suis mort. Ah non, tu vas devoir tout refaire. Ah, elles m'ont bien vu là. Mais moi, ouais, je pensais on n'utilisait pas les attaques spéciales. Et là, qu'est-ce que vous faites? Attaque spéciale. Vous voilà fortement désappointé. Bon, j'imagine que là, va falloir bourriner avec tous les spéciaux vu que. Laisse leur temps à faire pareil. Allez, c'est bon, j'ai éliminé le pire, c'est bon. Ah, il en a jeté un quand même! Ah oui, donc ça avait bien des chocs chromatiques. Oh, le double choc chromatique! Attention, t'as plus de vie, hein. Ouais. Oh, j'ai pas de choc chromatique. Bon, si, j'ai un choc chromatique. Oh non! Ah, bien joué! Alors là, moi je dis bravo! Attention. Que 3. Évidemment, eux ils ont les multimissiles et pas toi. Hein. Ah bah oui, quand même, faudrait pas. Bon, par contre... y en a une qui veut jeter les ondes. Ah bah tu prends le tornade et puis tu les mitrailles, hein, sinon. Ça n'a servi à rien. Ça les a fait venir. Parce que vous voulez.
Mais vous avez spéciaux infinis ou comment ça se passe là? J'imagine que oui. Pourquoi tu peux envoyer des morceaux dans la tête? Allez, boum, une crêpe! Ça finit! Wow, pas encore une vague là! Ah, on commençait juste à s'amuser. Et hop, oh, un cavale squal! Vas-y, viens avec classe! Meilleur écran de fin! Tu vois, j'ai mis 14 minutes quoi! C'est indécent! Bah, c'était pour dire à quel point ce niveau est. Voilà, c'était 14 minutes de pur bonheur! Il est long, ah, s'il y avait que la fin, ouais! Il était long, il était long! Hein. Ouais, il était long! Bah, tu vois, je suis un peu. J'allais dire, j'étais un peu triste qu'on ait pas eu le niveau. Combat contre les Octalings! La reine de l'Octaling! Oh! Championne du monde! Non mais je voulais dire, tu sais, il y avait un niveau dans l'Octo Expansion, tu devais choisir toutes les armes. Oui. Il était trop bien ce niveau, c'était le meilleur niveau de tout l'Octo Expansion. Oh. Récupère cette pièce au terminal. Et donc du coup les documents. J'imagine que c'est dans les archives peut-être. Non, pas ici. Ah c'est ça. Ah oui, histoire.exe. Vous souvenez-vous de l'apocalypse qui décima la race humaine? Ceux qui se réfugièrent dans la caverne d'Alterna ne furent pas les seuls survivants. D'autres prirent la voie des airs et s'envolèrent dans une fusée géante, l'Arc Polaris. The Ark. Abritant de nombreuses espèces de la Terre plongées dans un sommeil cryogénique, elle fut lancée juste à temps avec un objectif simple, trouver une planète pour remplacer la Terre. Compte tenu des circonstances de son lancement, l'Arc connut un voyage plutôt calme, jusqu'au jour où elle atteignit les confins du système solaire et entra en collision avec des débris qui endommagèrent le système de navigation. L'équipage parvint à reprendre le contrôle et à retourner vers la Terre. Mais cet héroïque effort fut vain, le carburant vint à manquer et l'Arc Polaris dériva sans but pendant 10 000 ans. Des millénaires s'écoulèrent. L'orbite de l'Arc devint instable au fil du temps, si bien que la fusée se trouva happée par la gravité terrestre. L'entrée dans l'atmosphère fut fatale aux passagers, ils périrent tous, sauf un. Ours numéro 3, sujet qui avait été placé dans un état d'hibernation semi-consciente, expérimental. Il avait rêvé pendant 12 000 ans. Rêvé et fomenté un plan. Pleinement éveillé, Ours numéro 3 fit une cruelle découverte. Il n'avait pas atterri sur une nouvelle planète. Il était revenu à son point de départ, la Terre. Mais pas la Terre qu'il avait connue. Une Terre visiblement dominée par les créatures marines. Une Terre où toutes les traces de mammifères avaient disparu. Dans l'espoir de trouver d'autres mammifères, Ours numéro 3 se servit du système de navigation de l'épave de l'Arc Polaris et finit par découvrir Alterna. Ce n'était plus qu'un champ de ruines, bien entendu, mais quelques-uns des cristaux liquides qui avaient tapissé les parois étaient encore là. Grâce aux connaissances acquises pendant des millénaires où il rêva, il répara certaines installations d'Alterna et se mit à étudier les cristaux. Ses recherches portèrent leurs fruits le jour où Ours numéro 3 fit réagir des cristaux, liquides avec ses poils. De cette expérience naquit une substance dotée de propriétés terrifiantes. Elle transformait n'importe quelle créature en mammifère. Rien que ça, Ours numéro 3 mesure les implications de cette découverte immédiatement. Le retour des mammifères était proche. Il entreprit de stocker la bouillie hirsute, ainsi qu'il avait baptisé, dans la fusée. Pour mener à bien son projet, il lui fallait des milliers d'œufs dorés. Ces derniers étaient nécessaires à la création de la bouillie hirsute, bien qu'on n'eût jamais daigné enregistrer la recette exacte dans mes modestes circuits. Bref, Ours numéro 3 établit un plan, fonder une entreprise et mettre les employés à contribution pour récupérer les œufs dorés. Monsieur Ours S.A. et son patron, Monsieur Ours, paieraient grassement les volontaires. La production de bouillie hirsute battait son plein grâce à l'aide enthousiaste des Inklings et des Octalings qui ne se doutaient de rien. Monsieur Ours prit alors les ultimes mesures pour mettre son plan à exécution. La fusée était pleine et le dénouement imminent. Désolé, Monsieur Ours avait tout prévu depuis toujours. Ah, dommage. Mais peut-être que si tu vas le voir... Là, peut-être tu peux aller lui parler. Tu retournes à Cité Clabousse. Peut-être que on peut lui dire, Monsieur Ours, entre nous. Mais est-ce que c'est encore lui, tu vois? J'avoue, si ça se trouve, il est dans le ciel maintenant. Attends, ce n'est plus lui. Mais j'allais dire, entre nous, Monsieur Ours, on a fait affaire, on était contents tous ensemble. Enfin voilà quoi. Ouais, je pense que c'est plus lui. Hein. Ouais, je pense que de toute façon, comme tu l'entends, c'est plus là. Il y a une voix. Cette petite voix là qui te donne des cadeaux. Yes, merci. Ah, ce n'est plus Monsieur Ours. Ah oui, d'accord, il est plus là. Il n'existe plus. Ah oui, non, mais d'accord, il est plus là. En fait, c'est petit poulet qui mange Monsieur Ours. Ah oui, d'accord, il est plus là. Mais alors, pourquoi on récupère des œufs dorés maintenant? C'est juste quelqu'un qui aimait bien le concept, qui a repris l'entreprise.
Ouais, bah ouais, quand même, tu vois, on peut pas laisser. Hein. Après, en soi, il n'avait pas non plus, c'était pas non plus purement méchant, tu vois, c'était pour défendre quand même. Il est en train de voler dans le ciel, là, tout va bien, t'inquiète. Mais d'ailleurs, tu remarqueras qu'avant, c'était un ours qui mangeait un saumon, et maintenant, c'est un saumon qui mange un ours. Eh, hey, j'avoue. Du coup, il n'y a plus personne qui va nous parler. J'avoue. À moins que ce soit lui, là. Dis-moi quelque chose qui te fait envie, voilà, bon. Ah, c'est pas grave, on découvrira ça dans... Yes! On découvrira ça dans notre coin! Et c'est ce qui conclura la fin du Let's Play de Splatoon 3, mais bien sûr, on continuera de streamer le jeu, donc peut-être mais que... Mais non, je vais pas y retourner, enfin, c'est un peu... On se rendra compte du destin de Monsieur Ours, ces petits poulets qui nous parlera. Ouais, peut-être bien. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce Let's Play, et à bientôt pour le prochain! Au revoir tout le monde!